c'est donc Clément. Et donc je fais la batterie et la guitare. Cyril, donc flûtiste, percussion, cornemuse et jonglerie. Stéphane Coll, enchanté. mais moi c'est jonglerie, conceptualisation du spectacle et tout ce qui fait rire, voilà, ça vient de moi. Bah, du coup le projet a démarré à Sainte-Foy-la-Grande déjà. Donc voilà, dans une salle, la petite salle à Gaillao, une salle associative. On a commencé à répéter, à mettre en forme un peu ce qu'on voulait faire sur scène. Donc ça a commencé par des numéros un peu plus loufoques les uns que les autres, à base de percussions, batterie, jonglage. Et puis après, ça s'est enrichi au fil des années. Là, ça fait, je sais pas en quelle année on a commencé. Ça fait combien de temps? 7 ans. 7? Ça doit faire 7-8 ans. On a commencé, du coup, voilà, force d'entraînement, mais on a fait les festivals d'art de la rue pour commencer. Donc, petite formule, 35-45 minutes. Et donc, on a commencé à un peu parcourir la France avec cette formule-là. On a commencé à essayer d'aller jouer à Paris. Donc, ça a été un peu l'élément déclencheur où on a joué 3-4 fois le spectacle là-bas. Et puis, on a été repéré par un autre metteur en scène. Qui avait une production derrière avec qui on travaille depuis 4 ans. Et depuis, voilà, suite à ça, ça a encore évolué. On a fait le Festival d'Avignon il y a 2 ans. Et suite au Festival d'Avignon, on a eu quand même de bons retours. Et on a voulu continuer comme ça. Donc ça nous a permis de faire une tournée de 25-30 dates à peu près sur 2016-2017. Alors, les prochaines dates, on joue ici à Port-Sainte-Foy-la-Grande pour 2 dates avec sur le festival de batterie et les Batkifs de l'ancien prof de Clément, voilà, qu'on connaît très bien et qui nous a fait l'amabilité de nous inviter dans son festival. Donc voilà, et après cette date, on part pendant un mois en Chine pour une durée de. Pour 20 dates, une durée d'un mois, mais pour 20 dates, voilà, on va passer par Shanghai, Dalian. Et voilà, après on revient, on a une date à Bruges, 2 dates dans le. En Alsace et après on repart pour un mois au festival d'Avignon, voilà, tous les jours à 16h15. Donc si vous êtes dans les parages à côté d'Avignon, n'hésitez pas, tout le mois de juillet à 16h15 au théâtre du Petit Louvre, les frères Coll. Voilà. Donc avec ce prof de batterie à 5 ans, hein. On commençait à prendre des cours. Christian Lajus. Il faut le nommer. Pour le nommer de son nom. Mais début avec la batterie, bah, je pense comme beaucoup de batteurs, des casseroles. Ensuite on commence à prendre des cours, la première batterie, un peu confectionnée, avec des morceaux de ficelles, des petites cymbales que te donne ton prof, tout ça. Donc ta première petite batterie à toi, tout est fait. C'était un réel plaisir de prendre des cours avec ce prof. Pour dire, j'ai fait 2 ans au conservatoire un peu plus tard et ça m'a beaucoup moins plu. Ça peut convenir pour un certain type de musicien qui a envie de se lancer dans un certain type de carrière ou dans un style de musique, mais moi dans mon cas ça m'a pas forcément apporté beaucoup de choses. Ça m'a appris surtout au niveau de la musique, parce qu'il y avait un peu de cours de solfège, mais après au niveau batterie j'ai pas forcément appris beaucoup, à part peut-être un peu de rigueur, parce que c'est vrai que la basse est très carrée. En fait, j'avais créé un groupe qui s'appelait les batteries à base que de batterie. Et donc j'ai remplacé les batteries par des musiciens mélodiques. Voilà, ça a changé de nom et c'est devenu Stonka. Avec toujours des compositions de nous, de notre groupe. Alors c'est plutôt pop, électro. Pop, un petit peu avec un zeste d'électro et puis toujours cuivré. On a la chance d'avoir un saxophone et un trompettiste. Ben on commence à tourner. On a joué l'année dernière, on a joué au Roxane en première partie des Tambours du Bronx. Cet été, nous allons faire jouer à Bergerac. Là, on vient d'enregistrer des 3 nouveaux titres. Donc, on a fait aussi un clip qui s'appelle Synopsis,
qu'on peut écouter sur YouTube, qui a été tourné d'ailleurs par Stéphane Cole, qui fait partie donc du groupe des Trios. La bâche d'un camion, j'attends le prochain départ. Je prie Allah, Eldorado, mon bateau, direction Dover. Moi, c'est moi qui organise en fait ce festival qui s'appelle le Bad Kiff. C'est le 9e festival cette année. Donc le but, c'est de représenter la batterie. Et chaque année, on invite des artistes différents. Cette année, j'ai invité les frères Cole. Donc parmi eux, il y a un ancien élève à moi qui s'appelle donc Clément Cole, qui a travaillé une douzaine d'années avec moi. C'est la première fois d'ailleurs qu'on invite un de mes élèves en invité d'honneur. Okay.